Mets le gâteau au chocolat en pot dans le four. On le monte en haut parce que là que c'est plus chaud. Tout en haut du tube. Voilà, il est dedans. Et puis là, on va laisser cuire 20 minutes en fermant en dessous pour pas qu'il y ait trop de courant d'air. Là, on est en plein soleil. Ça devrait aller assez vite. Bon, voilà, ça fait 20 minutes. Et au passage, on peut voir, j'ai rajouté deux tôles aluminium de chaque côté. Là, c'était des restes, il me restait de mon chauffage au sol. Ça permet de renvoyer de la lumière vers le tube. Et du coup, ça doit sans doute à peu près doubler la puissance, c'est pas rien. Bon, on va regarder ce gâteau. Alors, on enlève la fermeture en bas. Bon, pour l'instant, c'est un peu bricolé, mais ça marche très bien. On redescend le tube. Voilà. Et prendre un gant parce que c'est très chaud, évidemment. Regardez ça, ce n'est pas beau. Il n'est pas beau, mon gâteau. On va goûter ça tout de suite. Ça a l'air trop bon. Miam, cuit en 20 minutes, juste avec le soleil, trop beau. J'ai aussi fait du riz. Des pois chiches. Kimbou. Ça bout bien. Une bonne polenta. Regardez ça. Parfaitement cuite, et ça c'est bien, bah, ça a cuit presque une heure, donc si j'avais dû laisser tourner le gaz pendant une heure, ça m'aurait fait un peu mal au cœur, alors que là, c'est une énergie gratuite. Très bon. Alors mon support, il y a juste une planche derrière le tube qui le tient, il y a un arrêt en bas là sur lequel il repose, et puis de chaque côté pour empêcher qu'il tombe, qu'il roule de côté, là il y a des petits arrêts en bas et en haut, et une ficelle en bas pour bien le tenir, pas qu'il sorte de l'arrêt, et la même chose en haut, voilà. Puis là j'ai simplement un pied, je vais juste visser un pied sur le côté qui me permet de modifier un petit peu l'inclinaison et de le déplacer. Voilà, ça tient avec une ficelle. Attention, parce que si ça tombe et que ça casse, là c'est le drame. Alors vraiment éviter, bien prévoir des sécurités, pas que ça casse, ce serait vraiment dommage. Et à l'intérieur, on va voir comment c'est fait, c'est très intéressant. Bon, ce serait quand même intéressant de savoir un peu comment ça fonctionne tout ça. Alors, les tubes solaires, qu'est-ce que c'est? Comment c'est fait? Déjà, comme on remarque, à la base, c'était plutôt destiné au chauffage solaire thermique. Moi, c'est comme ça aussi que j'ai découvert ça. Ça permet de faire de l'eau chaude. Mais voilà, là, il y a une association qui a eu la bonne idée d'en faire des plus grands pour stériliser des ingrédients, et ben moi je l'utilise même pour cuisiner, alors c'est tant mieux, après ça reste pareil. Donc déjà, un tube solaire, c'est tout en verre, il y a deux parois, c'est comme comme un thermos finalement, avec du vide entre. Donc l'avantage du vide, c'est que c'est vraiment un très bon isolant, la chaleur peut pas passer, donc la chaleur peut pas partir. La petite subtilité, c'est que pour bien absorber le rayonnement solaire, on a sur la paroi intérieure, mais à l'extérieur de la paroi intérieure. Donc ça veut dire qu'on pourrait pas
l'endommager en grattant à l'intérieur du tube, on a deux revêtements. Le premier, qui est le plus à l'extérieur, c'est un revêtement absorbant qui va absorber le rayonnement solaire, qui est donc foncé, hein, voilà, ça va chauffer quand il est éclairé. Et le deuxième, c'est un revêtement réfléchissant à l'intérieur, comme on a pu le voir quand on regardait à l'intérieur du tube, qui va permettre de renvoyer la chaleur, le rayonnement à l'intérieur du tube et éviter de perdre de la chaleur. Voilà, donc c'est comme ça, c'est super bien isolé et on garde vraiment la chaleur à l'intérieur du tube. Donc en pratique, le rayonnement solaire, ben, il arrive, il traverse le verre à l'extérieur parce que le verre c'est transparent. Le vide c'est aussi transparent, donc ça passe à travers. Et là, on arrive sur le revêtement absorbant qui est sur le verre intérieur, hein. Donc là, une grande partie est absorbée. Pas tout est absorbé. Si tout était absorbé, le tube serait complètement noir. Mais on voit qu'il est un peu bleuté. Donc il y a quand même une partie qui est rayonnée. Mais voilà, une grande partie du rayonnement solaire est absorbée par ce revêtement extérieur. Donc ce revêtement chauffe. En chauffant, il transfère cette chaleur au deuxième revêtement et au verre. À l'intérieur seulement, donc il y a seulement la partie intérieure du verre, le verre donc à l'intérieur du thermos qui chauffe et qui lui chauffe l'air par convection. Voilà, convection c'est quand la chaleur passe d'un matériau à un autre, hein. La conduction c'est dans le même matériau et le rayonnement, eh ben c'est le rayonnement, c'est lumineux. Donc la chaleur elle est arrivée à l'intérieur du tube et elle peut plus tellement en ressortir. Parce que d'un côté, on a le vide qui empêche la chaleur de ressortir, qui est très isolant, hein, donc la convection là est très limitée, et le revêtement réfléchissant à l'intérieur du tube empêche le rayonnement. Donc, en bref, il y a beaucoup de chaleur qui rentre, mais presque pas qui en sort, à part évidemment en bas où c'est ouvert. On peut aussi se demander... quel est le temps, du coup, pour faire bouillir un litre d'eau là-dedans, en théorie? Un petit calcul, ça fait jamais de mal, hein. Donc, on va dire que, en simplifiant, mon capteur avec les petits déflecteurs, donc les petites surfaces réfléchissantes en aluminium que j'ai mis de chaque côté, il fait 1 mètre de haut et 20 cm de large, et ça, ça fait 0,2 mètre carré. La puissance solaire, au maximum, on arrondit aussi, c'est 1000 watts par mètre carré. Du coup, qu'est-ce qui arrive sur le capteur? 1000 watts par mètre carré fois 0,2 mètre carré, on est à 200 watts. Ça, c'est la puissance qui va nous permettre de chauffer notre eau. C'est pas énorme, hein. Une plaque de cuisson, c'est plutôt 1000 watts. Mais on va voir. Donc, pour faire monter 1 litre d'eau de 20 à 100 degrés, on doit donc le faire chauffer de 80 degrés. Et là, il y a une petite approximation facile à faire en multipliant simplement le nombre de litres d'eau par la différence de température, 1 fois 80, et on arrive à l'énergie dont on a besoin pour chauffer cette eau, la porter à ébullition, qui est donc de 80 watt-heure. Une dernière chose, c'est qu'on suppose qu'il y a très peu de pertes ici, hein, on a vu que le tube est vraiment très bien isolé, sauf l'ouverture en bas, mais elle est en bas et la chaleur monte, donc ça va pas mal. En plus, si comme moi, on empêche le vent de rentrer, c'est encore mieux. Et du coup, pour avoir le temps nécessaire, il suffit de diviser l'énergie, donc 80 watt-heure, par la puissance en watts, et des watt-heure divisés par des watts, ça fait qu'il ne reste plus que des heures, 0,4 heures, allez 25 minutes, voilà, ça c'est le temps qu'il faut pour faire bouillir un litre d'eau à peu près. Ben, on voit qu'il faut quand même être un peu plus puissant qu'avec une plaque de 1000 watts, c'est normal, hein. À peu près ben, 5 fois plus puissant. Mais si on s'organise un tout petit peu, l'énorme avantage c'est que là, tout est fait juste avec le soleil, et ça c'est royal. Un petit dernier mot sur le tube, donc, j'ai pu l'acheter à l'association Du Soleil dans nos assiettes, qui a eu l'idée géniale de faire des tubes solaires dans lesquels on peut rentrer des bocaux, donc qui sont beaucoup plus larges et un peu moins hauts que ceux qu'on utilisait avant pour le chauffage solaire thermique,
Merci à elle et eux. Et si jamais ça vous intéresse, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt.